Oui, ça se passe bien. Comment vous avez débarqué à Beaune? Comment ça s'est fait cette histoire? Alors, un petit peu par hasard, c'est Bruno Bar qui est donc président de ce festival, qui m'a proposé. Au début, j'ai cherché quand même s'il n'y avait pas... C'était pas un peu bizarre, moi qui viens de la musique, mais en fait, c'est vrai que on côtoie le cinéma. Ne ris pas, il est en train de... Non, mais Jacques Weber est en train de rigoler à côté de moi, c'est difficile de rester sérieux. Je disais quoi? Qu'est-ce que je disais, Jacques? Votre présence n'est pas illogique. Ça pourrait paraître un peu illégitime. C'est ce que j'ai dit au président. Je lui ai dit, mais pourquoi moi? Je ne suis pas vraiment professionnelle de la profession. Il me dit, justement, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des points de vue un peu subjectifs, puisque un jury doit être subjectif, il doit ressentir. Enfin, s'il faut qu'on fasse un peu cet intermédiaire entre les professionnels, vraiment professionnels de la profession, et le public, puisque ça va finir comme ça quand même, hein. C'est bien d'avoir aussi un point de vue de public, lambda. Voilà. Donc je retrouve cette joie d'aller au cinéma, voir un genre que j'aime particulièrement, qui est le polar, parce que ça c'est très vaste comme catégorie. Et puis surtout, ce qui est très bien dans ce festival, c'est qu'on a vraiment une diversité de films proposés, de pays très différents. Ça va de